Disney. Square Enix. Vraiment, c'est hilarant de voir ces deux-là dans un même jeu. Eh bien écoutez, parfait. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur ce nouveau Let's Play Kingdom Hearts HD pour 1.5 plus 2.5 remix. Un nouveau Let's Play long, oui et non, puisque ça dépend. Je sais pas combien de temps dure le premier Kingdom Hearts. Une vingtaine d'heures, je dirais, une quinzaine, vingtaine d'heures. Kingdom Hearts, collab entre Final Fantasy et Disney. Littéralement, si Disney avait copulé avec Final Fantasy ou inversement, enfin, je sais pas qui, voilà, enfin, on va pas faire des détails, mais qu'est-ce que ça serait passé s'ils avaient fait un gosse? Et ben, ça s'est passé dans le multivers Kingdom Hearts, sorti en 2002, mars 2002, plus précisément, d'abord au Japon. Puis en septembre en Amérique et puis chez nous en novembre. Notre sortie d'abord exclusivement au Japon, Kingdom Hearts Final Mix, qui a repris des cinématiques en plus des ennemis, des clés, qui a peaufiné finalement le jeu. Puis après c'est arrivé chez nous. Alors comme on peut le voir, il y a pas mal de jeux, parce que du coup on a Kingdom Hearts Final Mix, donc le premier. Rip Chain, qui est un portage de S. Alors je ne sais pas si ce jeu-là je vais le faire, parce que c'est un jeu de cartes. Celui-ci, je ne sais pas exactement ce que c'est, enfin ce qu'il y a dedans. Je sais pas, je ne me suis pas renseigné sur ce jeu-là. Kingdom Hearts 2, que je vais essayer de faire. Le but c'est de faire 1, 2 et 3. Birthday by Sleep, qui est excellent, on m'a dit vraiment de le faire, donc je vais essayer. Et Recode, qui est pas pareil, je sais pas exactement de quoi il parle. Donc, je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. Ce qui est sûr, c'est que 1, 2 et 3, on va les faire. Après, je sais qu'il y a du coup le deuxième package de Kingdom Hearts avec des cinématiques en plus et un jeu. Et Kingdom Hearts 3, du coup, à part encore, dans un troisième paquet. Donc aujourd'hui on se concentre sur le premier jeu, on va le lancer. J'ai déjà testé le lancement pour voir si ça fonctionnait bien. On m'a vendu ce jeu comme étant incompréhensible au niveau de l'histoire. Vraiment, on m'a dit, je cherche pas à comprendre, ça n'a aucun putain de sens. Donc ça me fait plaisir parce que je ne sais ni ce que raconte l'histoire, ni ce que je vais vraiment comprendre et ce que je vais jouer. Mais j'y vais, on va découvrir, on va voir. Ok, il y a le 4 aussi qui est attendu comme pas possible. Hein. Ils ont annoncé d'ailleurs qu'il y a vraiment une dégaine qui n'a rien à voir avec les autres. Nouvelle partie, on va aller en mix. Hein. Ouais. Automatique, manuel, on va mettre automatique. Définir un paramètre de vibration de manette, oui. J'enlèverai si jamais il faut. Le jeu est super fort dans mes oreilles. Mon Dieu, le jeu est fort dans mes oreilles. Let's go, lançons ce jeu, pas plus d'explications. De toute façon, je connais rien à l'histoire, c'est juste Disney et tout son univers qui croise Final Fantasy. Donc je connais pas Final Fantasy, je connais juste Disney. Donc ça tombe bien, lançons Kingdom Hearts. Avec ce magnifique écran de starting. Et voyons voir un peu ce que ça donne finalement. I've been having these weird thoughts lately. Ah vache, tu sens que c'est vieux, hein? 2002, mon pote. Like, Ah, is any of c'est. this for real or not? Ça se voit. D'accord. Waouh, je m'attendais pas à ça. Il y avait un début un peu bizarre, un peu sombre, et là vraiment sur la plage avec un hit des années 2000. Hit de l'été des années 2000, gars. Alors il faut savoir que c'est la personne qui a conçu plusieurs opus de Final Fantasy qui s'est occupé du coup de la réalisation aussi de ce jeu-là. Donc c'est vraiment un mec à l'origine de Final Fantasy qui a fait ce jeu. Il y a aussi la compositrice, celle qui appelle la musique, qui est extrêmement connue dans le milieu du jeu vidéo. Hein. Compositrice de renom, dont je sais plus non plus le prénom. Et je préfère pas trop citer parce que c'est des noms asiatiques et je sais pas le prononcer mal.
putain, en fait, ils ont des pieds énormes. Ça n'a pas de sens. Putain, on m'avait dit que ça aurait pas de sens et pour l'instant, ça n'a pas de sens, quoi. Ça, d'être sous cocaïne du coup, de produire un jeu. C'est quand même puissant. Bon, visiblement, il fait un bad trip et emmené quelque part. Après être allé sur à la plage avec des amis. Tout ce que je comprends. D'accord. On vole des rondelles. Et on a Blanche-Neige et les 7 violeurs. Ok. D'accord. Et ça commence comme ça. Waouh. Y'a rien qui va. Je comprends rien. Le temps à faire est si peu de temps. Mais ne te presse pas. N'aie pas peur. Il a les yeux bleus, mon pote. Maintenant avance, viens par ici. Ok, donc c'est le tuto. D'accord, donc on est dans le void visiblement avec Blanche-Neige juste en dessous de nos pieds. Et des trucs qui apparaissent. Choisis bien. Ah oh bah moi je prends l'épée déjà. Sur B pour sauter. Wow, le jump, mon pote. Wow. Il y a un titan et tout qui roule. D'accord, donc on est chez Blanche-Neige et les 7 et tous les lapins. Ah, il y en a un qui se rince l'œil. Hein. Il y en a un qui regarde sous la jupe, je veux pas dire. Elle se fait marcher dessus, c'est tout ce qu'elle mérite. Tête des bordel, toi. Il faut que je saute dessus, c'est ça? Ouais. Le pouvoir du guerrier, un courage invincible, une épée à la puissance destructrice. Recherché comme comme descriptif. Est-ce là le pouvoir que tu recherches? Évidemment que c'est ça que tu recherches. Qu'il en soit ainsi! Qu'abandonnes-tu en échange? Donc je dois sélectionner une chose que j'abandonne. Est-ce qu'on peut dire que je suis en train de sauter une princesse? Pardon. Blague de mauvais goût. Le pouvoir du gardien. L'esprit de protection. Un bouclier pour tout repousser. Moi j'en ai pas besoin. Parce que l'autre c'est un bâton magique. Tu rends ça ce pouvoir. Enfin je crois que c'est un bâton magique. Tu as choisi le pouvoir du guerrier. Vu la gueule du truc c'est un clair bâton magique. Tu as abandonné le pouvoir du gardien. Est-ce là la forme que tu as choisi? Oui. D'accord. On se cache de chez Blanche-Neige. Et on arrive chez Cendrillon. Ça ne va pas du tout. Vraiment. Je crois qu'il y a même les voix officielles. Hein, des jeux. Des personnages. J'ai oublié de le citer. De le dire. Fait qui le pouvoir de combattre. Alors, je sais pas s'il y a les VF par contre. Je sais pas. Ok. On peut attaquer. Voilà, tu as compris. Et là, on va avoir des ennemis normes. Utilise ce pouvoir pour te défendre et protéger. Et protéger les autres. La jauge verte indique vos HP et votre énergie vitale. Si elle tombe à zéro, vous êtes KO. La jauge bleue indique vos MP, une force mystérieuse qui vous est inaccessible pour le moment. Tu devras te battre très souvent contre ceux qui convoitent ton pouvoir. D'accord, j'en ai tapé un, ils se sont tous barrés. Vous gagnez de l'expérience en battant des ennemis. Elle permet d'augmenter votre niveau et devenir plus fort.
Vos adversaires laissent des objets derrière eux. Lorsqu'ils sont vaincus, vous pouvez les ramasser en vous approchant. Certains redonnent des HP et d'autres des MP. Derrière toi. Normalement, vous attaquez automatiquement la cible la plus proche. Mais vous pouvez fixer une cible en appuyant sur RB. Sur une cible. Lorsque vous passerez en mode lock-on, comme il vous le sera indiqué en haut à gauche de l'écran. Attention, en mode lock-on, vous effectuerez toutes vos actions en direction de la cible fixée. Puis à nouveau sur RB pour revenir en mode normal. Cauchemar. J'ai l'impression de me voir moi en me levant le matin en me rappelant que j'ai un projet à faire et des examens. En mode non, je veux pas me lever. Pareil, même chose, même délire. Et là, on a une porte. L'icône sensitive indique que vous pouvez utiliser une commande spéciale. Quand Y examine sa fiche, appuyez sur Y pour respecter l'élément en face de toi. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Bravo. Et on a le coffre. Moi je veux ouvrir la porte, il n'y a pas besoin. Voilà! Je l'ouvre! Allez! Je sais où est-ce que tu te caches! Pas le choix. Ok. Ah ouais. Oh, j'aime bien l'animation. Vraiment, elle l'a tapé en bas de ouf-toi! Vous pouvez pousser les caisses ou lui éclater sa dent, j'imagine. Briser certains éléments du décor fait apparaître des objets. Il suffit de s'en approcher pour les ramasser. On a ramassé une potion. Vous pouvez les utiliser grâce à la commande objet. Vous pouvez également verrouiller d'autres cibles que des ennemis. Dans le con, vous pouvez changer de cible avec LT. Ah oui. C'est vrai, ce que tu me dis là n'est pas un mensonge. Genre, j'ai frappé deux caisses et la porte est en mode ok, je m'ouvre. C'est plus sympa, je te laisse passer. Allez. Eh ben c'est vrai, mon pote n'avait pas menti, ça n'a aucun putain de sens. Je sais pas quoi je joue. Mais j'ai payé pour ça. Waouh. Patience, la porte ne va pas s'ouvrir tout de suite. D'abord, dis-moi en plus à ton sujet. Appuyez sur option, alors c'est pas option, c'est le tout, je sais pas comment ça s'appelle. Passer en mode subjectif, utiliser nanana pour regarder autour de toi. Puis de nouveau pour passer en mode normal. Subjectif, d'accord, donc on va d'une sorte de first person et après on passe en third. Commande Y pour parler est disponible, appuyez sur Y pour parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Être le premier, l'amitié, mes objets préférés, j'en ai aucune idée. Être premier parce que j'ai un énorme ego. T'as peur de quoi? De grandir, d'être différent et d'hésiter. Qu'est-ce que c'est que ces questions à con? Ça te fait si peur de grandir? Tout ça n'a aucun putain de sens. C'est quoi ton rêve? Voir les choses rares, faire le tour du monde, devenir fort. Je réponds, je sais pas quoi dire. Tu veux être le premier, tu as peur de grandir, tu veux voir des choses rares. Ça, je sais pas. Est-ce que ça influence? Il y avait trois choix possibles, je suis allé un peu où à la gaine. Ton voyage débutera à l'aube. Tant que le soleil brillera, tu avanceras rapidement. Ça m'a l'air pas mal. Le jour où tu ouvriras la porte est à la fois lointain et proche. On va trouver des portes. Ah. Belle au bois dormant. Nana pour accéder au menu d'écran. On peut utiliser des objets, regarder les caractéristiques ou changer les options du jeu. Mais attention, on ne peut pas l'ouvrir en plein combat. Il y a une cinématique en fait. Il m'a nous balancé ça, mais j'ai une cinématique. God damn it! Ah, c'est le début d'un mauvais porno ça.
coup là. Rien du tout. J'aurais pu tester le combat. Niveau plus, Sora. Ouh, une lumière dans les ténèbres. Il va avoir de sortie. Let's go. C'est un point de sauvegarde. En vous plaçant dessus, vous regagnez tout vos HP et vos MP. Puis sur Y pour ouvrir le menu de sauvegarde quand la sauvegarde s'affiche et sauvegardez avant de quitter. Sauvegardez souvent et n'oubliez pas de le faire avant de quitter la partie. Ok. Aucun putain de sang. Maintenant j'ai un chemin magique. Bon après j'ai pris de la drogue à un point. Tac. Compagnie, il n'y a pas de choix. Objet, Sora, potion. D'accord. Naël. Équipement. Épée des rêves. Compétence. J'ai rien. Tactique, j'ai rien. Je suis à l'état 0. Caractéristique. De HP, nanana, prochain niveau. J'aimerais juste baisser un peu. Je peux pas baisser la caméra. Ah, je peux pas baisser. Il faudrait que j'aille dans un menu alors. Ok, je m'en vais vers un chemin magique avec un truc of Doom of Apocalypse. C'est la belle la bête, hein, je crois. Ah mec, je remets ma caméra, il y a une automatique. Plus tu approches de la lumière et plus ton ombre grandit. Ok. Ah. C'est comme dans Peter Pan, mais ça m'a pas l'air d'être le même délire. Mais n'aie pas peur. Ah ouais, non, vraiment pas le même délire du tout. Pas le même projet. Hein. Dans Peter Pan, son ombre, elle se transforme pas comme ça. Hein. Et n'oublie pas. What the fuck. D'accord, donc on a un boss avec un cœur mis. Ok, let's go. Ok, je peux cibler. Bah jusque là je vais me dire tout va bien, je vais bien, nous allons bien. Wow, qu'est-ce qu'il y a de faire. Je vais bien faire ses mains. Je vais passer un niveau. Trop fort. Je passe des trucs. J'enlève ma caméra encore une fois parce qu'on a une énième cinématique. C'est énervé. Il est énervé, il est énervé, il est énervé, pardon. Vilain. N'aie pas peur. Alors, un poil quand même, hein. Il est quand même trois fois plus grand que moi, il a essayé de me casser la gueule. La ceinture dit quand même avant tout, c'est la peur. Tu détiens la plus puissante des armes. La Keyblade, enfin. Celle des rêves, peut-être, que j'ai vu. Et n'oublie pas. C'est toi qui ouvrira la porte. Ok, bah j'ouvrirai la porte apparemment. La porte de ton cœur, visiblement. Je sais pas si c'est assez charmant ou violent, étant donné la bestiole. Étrange comme projet. Hey. Waouh. Wow. Exactement la même réaction, mais pas la même intensité. Give me a break, Kyrie. So are you lazy bum?
tu sais, il parle enfin. I knew that I'd find you snoozing down here. Je crois pas qu'il y ait de VF. Il y a pas de VF. No, this huge black thing swallowed me up. I couldn't breathe, I couldn't... Ow. D'accord, donc en fait, il a imaginé ça. Are you still dreaming? It wasn't a dream. Or was it? I don't know. Pour nous mener à la plage, et j'ai fait un bad trip. Et voilà, c'est ça, tu mets la chicha, les enfants. Yes, sure. Say, Kyrie. What was your hometown? Dis que l'herbe de tonton, elle était pas. Know where you grew up? I've told you before. I don't remember. Nothing at all? Nothing. You ever want to go back? Well, I'm happy here. Really? Son lit est énorme. But you know, I wouldn't mind going to see it. I'd like to see it too. Along with any other worlds out there. I want to see them all. So what are we waiting for? Hey! Aren't you guys forgetting about me? So, I guess I'm the only one working on the raft. Oh, les dents, mon pote. And you're just as lazy as he is. So you know this. Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Tu reviens dans le meilleur des mondes, visiblement. Oh, son rire me tape sur le système. Ta gueule! Pardon. C'est moi qui suis porté. Cannibals Final Mix! On a enfin l'écran qui annonce le jeu, le début en tout cas, on a terminé le prologue du coup. Prologue qui n'avait aucun sens, enfin, c'était un rêve finalement. Et on était à Destiny Island! Eh ben. Faites ton nom, mon pote. Alors, je vais pas trop faire de blagues osées parce que je sais qu'elle a 14 ans. Mais qu'est-ce qu'elle est plate et qu'est-ce qu'elle a d'énormes pieds. Et nous, à l'inverse, nous on a d'énormes pieds et on a un boule énorme, il n'y a rien qui va. Alors, tu peux réunir le reste du matériel là, Sora, tu m'écoutes. C'était quoi déjà? Mais j'y crois pas, on peut pas construire de radeau sans matériel, hein. Il nous faut deux rondins, un grand drap, une corde. Rapporte tout ça ici, viens voir si t'as besoin d'aide. Dépêche-toi. Ah, est-ce que je peux la fracasser? Je me fais derrière. Bon, elle m'ordonne de construire des radeaux, nickel. Oh, un rondin. Waouh, je suis vraiment roulé dessus et il l'a ramassé. Cabane. Sacrément évident. On peut sauvegarder du coup. Et les auditeurs de sauvegarde de temps, sauvegarde tout le temps. Ouais, j'ai un second rondin. Alors, tu as trouvé tout ce qu'il faut pour le radeau? Moi j'ai déjà donné ma part à Kerry. Eh, on se fait un petit duel rapide, prends ton épée. D'accord, parfait, on va voir qui est le plus fort. Le mec veut dire qu'ils vont tous se battre. Yala! Regarde. Wow! We still don't got it. Wow, mec, il a des techniques beaucoup plus. Mais je crois qu'il est extra. Come on. Attends, pourquoi tu me laisses pas une boîte de dialogue alors que. My turn. Ça fait 0-1. Non. Attends, je vais réussir. Viens là. Je vais pas finir avec toi. Je vais te battre. Aïe. Je peine en fait. Waouh, waouh. Il m'a poussé dans le lit. Oh, caca. Je veux que je le batte au moins une fois, non? Je veux le battre au moins une fois. Il m'a poussé dans le lit. Come on.
Don't tell me you're giving up already. Aïe. Oh, ma caméra elle est trop chiante à ce moment. Come on. Le mec il a des techniques ancestrales pour pouvoir se relever, ça c'est dur. You still don't got it. You still don't got it. Come on. Come on. Je contrerai. You still. Il est infaisable. Il est infaisable. T'as vu le nombre de coups que je lui ai donné, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'abandonne. Je suis faible. Je peux nager. Je sais pas où est-ce qu'on peut aller, mais j'y vais. Pas moyen de nager plus vite. Donc, tout ça pour ça, hein. Eh ben, on est pas dans la merde. Alors... Hey, what's happening, man? J'ai la pêche, on se fait un duel. Ok, tu peux avoir. Show me your stuff. D'accord, et lui, ça va être un ballon. Aïe. Merde, j'ai réussi à le faire. C'est la merde. Non. Pourquoi ils sont tous plus forts que moi? Show me your stuff. Ah, j'ai réussi à faire une fois. J'ai pas le temps. C'est sûr, je veux plus. À chaque fois, le temps d'animation d'armes, je sais pas. Voilà, c'est ma seule excuse que j'ai trouvé à ma à mon manque de talent. Je vous aime bien. Putain, on peut se battre avec tout le monde, quoi. C'est vraiment leur seule occupation de la vie, se fracasser entre eux, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec tes potes? Bah, je me fracasse. Non, hein. Je tombe sur une fille, j'arrive à la battre. Je sais pas comment je dois le prendre. Mal, à mon avis. C'est vraiment le jeu qui fait perdre contre tous les mecs du coin, mais la fille. J'ai une fille quand même, hein. Je vais pas déconner. Bon, il faut que je trouve des trucs. Non, je vais pas taper ça. Putain, cette île, mon gars, cette musique. Un râteau. Je vais une fois se tirer de là. Ah, un grand drap. C'est vraiment les vieux objets exposés un peu partout, histoire de bien. Et puis, bah où? Hey, Sora, you feel lucky today? Ah, il va vouloir se battre aussi. Lui est déjà tout ce qu'enfant là. C'est vraiment la technique, hein. Passer au-dessus, passer derrière. Ouais, j'ai réussi. Oh man,
Ok. Une corde. Du coup, il faut juste fracasser avec tout le monde et c'est tout. Est-ce que je retente avec lui là? Je vais faire perdre tout le monde sauf lui. Show me your stuff. En fait, c'est vraiment passé derrière quoi. Non. Viens là. Bon, je te l'ai pris en l'air, mon gars. Allez! Oh man, that really hurt. Vas-y, maintenant je vais me retenter l'autre, là je suis trop chaud. Viens là, toi. Viens là! Je sais pas ce que ça apporte de tous les battes, mais je vais me le refaire. Je suis au taquet. Je vais juste sauter comme un énorme déglingo au-dessus de lui là, et lui mettre la misère. Il m'a même pas respecté, il m'a même hors de. De l'arène une fois. Non, mais il m'a mené hors de l'arène. Il m'a trop saoulé. C'est le seul qui triche là. Il me pousse en dehors de l'arène. Oui, l'arbitre. Monsieur l'arbitre, venez là. J'ai trouvé quelque chose, tiens, c'est pour toi. Une potion. T'as dit, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais, elle rentre. Ok, il se fait tard, on finira demain. Eh ben, sacré projet quand même, hein. Construire un radeau. So, Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to. We'll think of something else. So, suppose you get to another world. I'm sorry. What would you do there? Hmm. Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. Tellement philosophique ce que tu dis. So, non, pas du tout. We could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. Peut-être que vous avez... That's peut-être why que vous we need to go out there and find out. Déserte, hein? Un désert, un désert. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kairi, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? A Paopu fruit? If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Wow, changement de décor, hein. Ça c'est du dessin. Merlin. Ah bah non, Donald. Ah, les sauts de d'aller. Des balais aussi. Mickey Enterprise. Mickey Mouse.
D'accord, donc Mickey est le grand soupçon. Tu vois que t'arrives dans un cartoon. Oh, la tête de Minnie. Un peu chum Minnie, hein. Et nous revoilà sur cette île. Vraiment, on a eu une introduction avec Minnie, Mickey et tout la clique, là. Hey, Sora. About the legendary power of the Paupu fruit. They say if you share it with someone really care for, quelle est la main supportable le it binds you together forever and ever through eternity. Ah, il va bien falloir que je choisisse une fille pour it's so romantic. Pour, vous savez quoi. I gotta try it sometime. La descendance, quoi. L'héritage. Alors, qui je vais vouloir pécho en premier? Bizarrement dit comme ça. Ok, bon là il n'y a personne. Je peux aller me faire. C'est aisé. Titus, we are going to do a little exploring today. Okay, you know, to the secret place at the base of that tree. There's got to be something there, yeah? Je dois une sortie d'une. Quand ton adversaire a le jeu de passe en mode open, peut-être tu le perdras. Peut-être. On va les sauvegarder. You're still no match for Riku. We took him on 3-1 last time, and he whipped us all. Well, I guess Kairi can always count on him. Let's get him! Ha! Ha! Yeah! Ha! Un peu fini. J'ai vu à 3 contre moi le mec qui est un peu quoi. Ouais. J'en avais mis un à terre je crois mais bon, trop d'attaque quoi. Qu'est-ce que c'est que ce projet quoi frère? Ouh. Tu restes agrippé, il peut te ramener en haut. Ah, merde.
Alors... En fait, Sora, notre ado n'a toujours pas de nom. Voyons. Oh, vent, ça te plaît? Tu l'appellerais comment, toi? Et tu t'es allé buer, il est marqué. Je peux faire comme ça. Je sais pas trop. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Incroyable. Ah, je peux pas le faire comme ça. Attends, je vais faire un jeu de mots si je peux. Juste après. Ah ouais, non, toi, il peut pas y avoir aussi. Ah si, bon, attends, je peux faire ça. Je peux faire autre chose. Est-ce que j'ai les symboles? J'ai l'air d'avoir l'apostrophe. J'ai le seum. J'ai un espace. J'ai une fleur. Bah on va l'appeler en rad. On est pas en rad mais on est en radeau. Voilà. C'est le seul inspire que j'ai actuellement. En rad. Non. Je vais écrire. Voilà. Ouais bah en rad. Je préfère au vent. On fait la course pour se départager, comme d'hab. Encore la course, bon, je fais l'orbite. Les règles rituelles, on passe par où on veut. Waouh. Waouh. Oh, il y a un coffre. Il y a une tyrolienne aussi. Et il y a une étoile magique. On touche l'arbre étoile et le premier revenu à gagner. I'm captain. And if you win, I get to share the palpu with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a palpu with Kairi. Ah, ça veut dire le premier va la pécho. Ok, on my count. Alors, déjà, je te réponds. C'est depuis ta mère. Allez, hein. C'est bon, on va faire. Je suis en retard, mon gars. Ah, mais mec, il m'a niqué sur 6 générations, quoi. Ah non, je vais finir. Je vais finir assez vite. Mec, mais c'est affreux. C'est quoi cette vieille course là où j'arrive à rien? Non! Mais gros! Mais accroche-toi! Ça me frustre! Je veux qu'il s'accroche et il s'accroche pas! Bah, il est où? Il est là-dedans. Ah, mais non, il fallait revenir. Trop bien, mec, j'ai une décennie de retard. Mais t'en fais pas. Voilà, actuellement l'état de ma vie, je sais pas où grimper. Ah ouais, c'est plus une course là, c'est... je fais de l'exploration quoi, je fais de l'urbex. Mon gars, j'ai abandonné la course quoi. Ah, quand t'as pas l'habitude des contrôles, le saut il est terrible. Hein. Il est pas moyen que je revienne plus facilement là. Infâme. Écoutez-moi bien, le jump, s'ils me font des trucs comme ça, ça va être insane. Parce que vraiment, il y a un temps de latence, en fait, on le sent peut-être pas trop, mais moi je le vois et je le sens. Et vraiment là, il y a une lourdeur quand tu dois atterrir.
Ah, quand je reste à pied, par contre, ils sont bien plus longtemps. Je savais pas ça. Ils planent à moitié. Ah ouais, quand tu restes appuyé, il plane. Ah gros, j'ai trop envie de la refaire, mais je vais pas avoir de save. J'ai mis 1000 ans, quoi. Ah, au vent, quoi. Je suis dégoûté. Ah, pour le babou, c'était une blague. T'as dû voir ta tête? Sans moi, ça m'a saoulé. J'en ai marre de courir. De toute façon, c'est pour les gros nuls. Moi, je vais explorer. Mais en fait, avec le jump, en fait, je peux sauter tellement qu'en prendre ça. Encore, je suis niqué. Il m'a niqué une fois, je me suis reniqué une seconde fois, quoi. Elle est pas un truc, hein? Moi j'ai trop ça, la course mon gars, il y avait plus rien qui allait quoi. Je suis parti en mode exploration, je savais plus où aller, je savais plus comment faire. D'accord, c'est pour moi un champion. Aujourd'hui on rassemble les provisions du voyage, alors voyons. Toi tu dois trouver un œuf, 3 champignons, 2 noix de coco, 3 poissons et remplir ça avec de l'eau. Mais pas d'eau de mer. Tout est vide. Rapporte tout ça ici, viens me voir si t'as besoin d'aide. Eh mais mec, mais elle me rend... T'as pas traîné pour une fois? Non, je plaisante. Voyons, qu'est-ce qu'il nous manque? Un œuf. T'as pas traîné, mon gars? Je suis juste reparlé, quoi. Elle a cru que j'avais déjà tous les ingrédients de sa liste de courses. Ok. Je peux pas aller par là. C'est pas possible ça. Est-ce que les noix de coco je peux les obtenir? Attends. Ah bah ouais. Je peux en faire d'autres avec les noix de coco. Genre je tiens les noix de coco mais je peux rien faire. Ça fait le bien, je vais récupérer, non? Je ne comprends pas. Alors là, j'ai vu un truc à fouiller. J'ai l'impression... Mais non, mais gros, fais un effort sur ton jump. Par pitié. Qu'est-ce que c'est, infâme? J'ai même pas vu où est-ce que je suis allé, mais j'y suis allé. D'accord, en fait, ça rejoint. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ah bah oui, d'accord. En fait, il y en a, c'est des notes et d'autres, c'est des... Je sais pas ce que c'est. Un truc moisi, visiblement. Je sais pas où il en Dans le doute, j'en prends encore une. Putain mais pourquoi c'est moi qui fais les courses, ça devrait être elle, non? Bon bah. Je veux te faire arnaquer dans l'histoire. Faut de l'eau aussi. Et je sais plus ce qu'il me fallait l'autre. Je vais pas récupérer Papou là et Papa ou Papa la machin là. Je vais la demander en mariage. Bizarre. Dit comme ça mais de gosse ça passe. Je peux aller dans objet. Ah je peux pas. Ah non, je suis pas dans le bon. Ah ok, d'accord. C'est juste une apport. Je pensais qu'il y avait l'équipe et tout, la bouteille, mais non.
déplacer les rochers. Waouh. Super conseil, mec. Heureusement que t'es là pour me dire, je savais pas. Cet épisode va durer beaucoup trop longtemps, ça fait déjà 45 minutes qu'on joue, mais j'ai l'impression de pas avoir commencé le jeu, quoi. Je suis bloqué à rapporter des courses à une meuf, quoi. Ah oui, il y a du poisson aussi, waouh. Comment je fais ça, moi? Comment je chope du poisson? Ah bah là, il y a une touche pour nager plus, je savais bien. Ah bah il y en a un, mais ça je chope pas comme ça, je m'imagine. Si. On n'est pas la mandivée au premier manteau. On va dire que c'est déjà pas mal, non? J'ai les poissons, j'ai une autre go et j'ai l'eau potable. Qu'est-ce qui pourrait se passer mal sur Orsa 2? Dis-moi qu'il te manque encore des trucs là. Un peu touché à nuit sur le machin. Les marins emportaient toujours autour, quoi. Il est censé sur un voyage sans danger. Tu vois ça? Wow. C'est un par bonheur qui nous aidera à trouver. À nous retrouver si nous sommes séparés un jour. Nous serons toujours ensemble, tous les trois. Ah. Elle a dit tous les trois, c'est pas tous les deux. J'ai ça. Un œuf, un champignon. Je compte sur quoi? Ah merde, il manque aussi un. Il manque un œuf et un champignon. Ah non, je trouve un arbre. Un arbre dans lequel je pourrais trouver un œuf. Moi j'y pense, j'ai vu un truc bizarre en haut d'un arbre et je suis pas allé voir. Ah bah exactement ça en fait. Ah bah l'œuf il est là. Et il manque un champignon. Est-ce que je peux aller voir la grotte? On mène cette porte. Pas de panier, pas de serrure, c'est vraiment bizarre. D'accord, donc pour aller dans le monde de l'autre. Ouais, avec tous les dessins et tout de Disney. D'accord, donc c'est via ce portail là en fait qu'on va se trouver dans l'autre monde. On a déjà eu en fait une. Comment est-ce qu'on dit, un songe finalement quelque part d'un teasing où on était appelé déjà ailleurs. Pendant l'enfer de trouver le troisième champignon là. Pas la moindre idée de là où il est. On me vienne en aide. Seigneur, si tu m'entends. Ah bah oui, voilà. Tout à l'heure, je voulais grimper sur celui-ci, mais il me disait non. Voilà, un œuf. Il manque plus que le champignon.
Et on est bon, mais alors là, le champion, je sais ce qu'il fait. Bon, pour l'instant, j'ai pas été convoqué dans le monde de Mickey, donc je suis condamné à remplir les courses de plush là. Après, ce putain de champion, il est où le dernier là? Putain, mais je vais le faire là. Ben non, c'est perdu. Où est le dernier champignon? Champignon! Quel enfer! Quel enfer et quel tannis, quel corvée! Là il y a un coffre, mais à mon avis il est clairement pas accessible. Parce que j'ai clairement pas le jump adapté pour. T'as juste les fracassés. Pourquoi tu me l'avais pas dit avant? Ouais. Coller carapace. J'aurais préféré vraiment avoir le second champignon, mais soit. Il fait quoi ça? Mais A few moments later. Oh purée la vache. J'ai retapé l'entièreté. L'entièreté de la zone. Pour me rendre compte que finalement le champignon était dans la grotte cachée depuis le début, putain. Perte de temps et une cinématique et on voit qu'on est représenté dedans. Ah oui, c'est nous qui avons dit. D'accord, en fait on est là depuis toujours en fait. Ah ouais, genre on est sur une île déserte à survivre depuis une décennie. Mais c'est eux alors qui ont décidé de rester. Wow. Well, who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well... Where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Ah ouais, avec la musique qui reprend juste comme ça. Là, il a disparu quoi. Magie, magie. Bon, on va juste aller lui apporter, terminer. Je sais même aller terminer ça parce que c'était déjà 50 minutes. On va passer par là.
voir un peu et après on va attaquer. Alors, tiens, attention. Fatigué, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais, rentre. Je pense que je